Les images de l'aube de ce 26 avril, filmées par le KGB. Tchernobyl contamine toute l'Europe. Des chercheurs parlent de milliers de victimes. Cancers, malformations vont être détectés chez les nouveau-nés d'Ukraine et de Biélorussie. Environ 1 million de personnes a été envoyé sur les lieux pour combattre les radionucléides avec des pelles et des lances à eau. Mal informés, la plupart de ces travailleurs ne portaient pas la moindre protection. Le gouvernement sait que certains produits sont contaminés, mais il décide de ne rien dire et de dissimuler l'information. Le territoire français a été totalement épargné. Ça s'appelle un mensonge d'État. Alors la question qui se pose un peu partout dans le monde, que faire des déchets nucléaires ?